Bonjour YouTube, comment vas-tu? Hop là! Bah oui, bah c'est Zelda. Alors, on va aller checker, du coup, ce qu'il y a là. Hop là! Putain, je suis trop content d'avoir... Oui, parce que c'est vrai, YouTube, j'ai... Oh, il y a la vague! Il y a la vague! Bonjour, merci pour ton raid! Bah alors là, merci énormément! Putain, ça fait beaucoup de monde! Mon dieu, je suis stressé. Je suis content que mon système pour charger mon casque fonctionne. Ça, j'ai l'air un peu con, mais ça fonctionne. Bref. Bonjour tout le monde, du coup, bonjour. Je suis un peu... comme un con. J'ai pas l'habitude. Mais bienvenue. Bon Dieu, bienvenue. On est sur Zelda. Puis le moment où je lance la VOD en plus. On va aller checker ce que c'est que ce truc-là, et ensuite on va aller clear des missions et tout et tout. Hop! Donc c'est... c'est où? C'est par là, là, je vais dans le bon sens. Oui, je vais dans le bon sens. Je vais dans le bon sens. J'espère que ton live s'est bien passé, du coup. Il y a la vague. Je sais pas sur quoi t'étais, mais j'espère que ça s'est bien passé. Et je n'ai plus de vie aussi, il faut absolument que j'aille un... comment on appelle ça? Un relais pour récupérer de la life. Hop là! J'espère. En vrai, ce qui serait cool, c'est que ce soit une. Une. Ah putain, j'ai pas du tout dans mon sens, c'est par là-bas. Que ce soit la source de la force. Ce serait trop cool que ce soit ça. C'est vrai que moi je pense jamais à raid des gens, mais je sais pas qui raid. Je sais pas trop. Oh là! Ça. On prend en photo. Mais on ne le combat pas. Je n'ai pas. J'ai la flemme. J'ai d'autres choses à faire. Est-ce que je le combat? Allez, je le combat. On va voir ce que ça m'offre. S'il faut, c'est des. C'est des trucs de fou. Tu t'actives? Oui. Merci. Déjà, toi. Je peux faire. Ah, fruit d'eau, tout simplement, fruit d'eau. Hop là. Loupé. Loupé. Comment je peux faire pour... Ah, il faut que j'éteigne vraiment tout, peut-être. J'éteins tout, hein. Moi, ça me va. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ah bah non, il veut vraiment pas quoi. Ah, loupé. Peut-être qu'il faut que je... Ah, tout va bien. J'ai plus de vie aussi, j'avais oublié. J'avais complètement zappé cet élément. Ah, j'ai plus de... Ah oui, j'ai plus d'arc. My bad. My bad là-dessus. Ma faute là-dessus. Comment je peux... Comment on fait déjà pour... Ah oui, comme ça, on fait comme ça, c'est vrai. Faut qu'il casse ces deux petits bras. Ah mais non, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Tant qu'il est éteint au centre, moi ça me va. Tout va bien. Je sais ce que je fais. Ah, il s'est rallumé, trop cool. Je n'ai aucune... Je sais pas comment faire. Attends. J'arrive pas à le toucher, ça m'énerve. Ok. Oh, il est insupportable. Je sais pas comment je suis censé faire. Oh, allez. Il est en train de me péter les couilles. Il est sincèrement en train de me péter les couilles. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça casse les couilles, je sais pas comment je suis censé faire. Oui voilà, tapez-le parce que moi j'arrive pas. Oh, mais pourquoi et de quelle raison? Oh, ça casse les couilles. Pose-toi au sol en fait. Il attend quoi de moi? Il a pris... Je suis pas un Yamakasi en fait. Je fais ce que je peux.
Link qui est tout simplement pas capable de faire comme ça là. Oh putain, je savais que ça allait mal se passer. Je le savais. Je le savais. Voilà, j'ai en plus, je viens de faire un effet de d'écho qui ne marche pas parce qu'il marche jamais. Je suis trop déçu. On réessaye. Dans tous les cas, il faut que je le reprenne en photo. Moi, je suis chaud de réessayer, mais je comprends pas comment je suis censé le battre. Comment je fais pour le battre? Parce qu'il se met jamais au sol assez longtemps pour que je puisse... Il faut tout éteindre. Je sais pas, moi je veux bien essayer. Allez. Allez, sinon. Et de 1. J'ai pas le temps. De... Vous avez vu la vitesse qu'il a pour se relever? Mais va te faire foutre. J'ai pas de vie. Attends, mais déjà aussi, il faudrait peut-être que je m'arme. J'ai... Attendez, non, je vais mettre plutôt ça. Sidon! Et ta mère la peintre, là, c'est bon, oui. C'est bon, non? Mais il se... Mais je fais comment, du coup? Oui, je suis sur toi, mais il faut... je peux rien faire, dans tous les cas. Il est trop relou, putain. Comment je te bats? Comment est-ce que je te bats? Allez. Je ne sais, je n'ai aucune idée de comment il se bat. Et puis il m'énerve. Ça me casse les couilles, lui. C'est bon, là. Et puis j'ai aussi 4 cœurs aussi. C'est moi qui force. Je combats un boss qui est vraiment pas facile, avec 4 cœurs. Peut-être que je suis con comme un balai aussi, il vient peut-être aussi de là, le problème. Bon, je le prends en photo et on bouge. Ah, j'ai 3 cœurs. Et c'est vrai que je crois que pour... Merde, c'est pas ça que je voulais, c'est ça. Pour le niveau où je suis dans le jeu, je crois que j'ai vraiment pas beaucoup de protection au niveau de mes vêtements. Non, non, tu peux aller te faire foutre. Non, 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 j'ai senti la manette vibrer. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Ah, d'accord. Attendez, ah, je pensais pas que ce serait encore. Alors attendez, là-bas il y a un... On va aller là-bas d'abord. Oh, sa mère. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Mais c'est des sources chaudes. Regardez. Oh oui! Que de plaisir. Bon, attends, je suis toujours considéré en combat là, t'es en train de me dire? Il est là-haut, wesh. Laisse-moi tranquille. Oh, il y a des bocaux blancs. Merci. Par contre, j'ai l'impression. Est-ce que c'est genre. Littéralement un immeuble? Genre on peut rentrer à l'intérieur? Non, je pense qu'on est censé sauter et aller en haut. Allez. Tant qu'à y être, hein. Je fais tout, hein. Je fais tout, hein. Allez, hop. Et voilà. Ah non! Oh non! Attends, écoutez. Tout va bien. Revenez ici, vous. Ah non, je pensais qu'il y avait potentiellement une entrée et que genre ça allait être vraiment... Oh! Bah alors là, c'est quand même fou, qu'est-ce qu'il fout là? Bonjour! Oh putain,
toujours plus compliqué. Quoi. Il est sur un pic. C'est vraiment insupportable. C'est insupportable de faire ça. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça. On va faire assez classique. Je sais même pas si ça va suffire. Ah oui, 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 c'est exactement là que j'ai voulu mettre le jeu. Merci de... C'est exactement là. Non, ce n'est pas là que je veux le mettre. Oui, oui, oui. Voilà. Bon, là, techniquement, ça devrait suffire, non? Est-ce que ça devrait suffire? Est-ce que je peux faire? Comment je peux faire? Comment je peux le faire pour le maintenir? Il y en a du beau monde là-bas. Putain la vache, il y en a des mobs. Comment je peux faire? Parce que là en fait il va pencher vers l'avant. Ok, ouais, si. Faire comme ça, c'est pas forcément une mauvaise idée. Ok, ça passe pas. Peut-être le trou, il passe. Le trou, on le voit jamais. J'ai jamais vu cette façon. Ouais, je peux pas. Je peux faire comme As. Mais... Je sais pas si ça va... Ouais, ça peut pas passer dessus. C'est pas beaucoup, mais ça peut pas passer dessus. J'espérais justement que ça passe dessus. C'est pas mal comme ça. Mais j'ai peur qu'il tombe de, tout côté, de tous les côtés en fait. Ah, voilà. Juste. Un truc de con. Ah, je sais. Oh, je sais, c'est tout bête en fait. C'est bon, j'ai galette. On va juste faire. Allez, hop, lâche. Voilà. On va faire. Qu'est-ce qu'il est chiant! Sérieux! Hop là, voilà. Je pense que là on est pas mal. Je veux faire, c'est faire un pied comme ça, bien au centre. Voilà, et là je vais mettre comme ceci. Voilà. Est-ce que ça suffit déjà? Est-ce que ça, ouais, ça suffit comme ça par exemple? Ouais. En fait, il va pencher vers l'avant, quoi. En fait, faut que je l'encadre. Tout simplement. Faut juste que je l'encadre. Hein. Genre. Ah, mais j'ai pas assez de trucs pour l'encadrer. Je souhaite que je fasse comme une boîte autour. C'est tout ce qu'il faut que je fasse. Ah
Ah, on est pas mal là. Eh. Si ça tient, c'est n'importe quoi. Yes, aïe. Oui, c'est trop bien. J'étais en train de faire des folies. Et en fait, juste en faisant tomber tout ce que j'étais en train de faire, ça suffit, quoi. Merci. Oh, yes! Oh ouais, putain, qu'est-ce que c'est cool, alors. Ouais, bah ouais, j'y vais. Nickel. Bon, bah c'était très cool. Et au moins, j'avais un rubis de plus. Bref, je veux aller voir... Bon, déjà on récupère ça. Et ensuite, je veux aller voir ce qu'il y a au-dessus. De ce rocher. Qu'y a-t-il au-dessus? Oh, oui. Bon, en vrai, ça va, ça c'est plutôt cool. C'est plutôt rigolo. Hop là. Alors... Voilà. Pardon, c'est ça que je veux. Quelqu'un m'a capté ? Non. Ça va aller, oui. Comment est-ce que je peux me débrouiller? Ah, mais j'ai pas eu de... J'aurais peut-être dû... Je pense que je peux faire... Ah oui. Mais j'ai pas trouvé de bon moment en fait. C'est ça qui est un peu relou. Est-ce que je peux geler le pylône? Non, c'est pas vrai. J'aurais bien aimé casser le pylône. Ça pourrait être rigolo.
Ça pourrait être marrant, mais j'ai pas trouvé de quoi exploser. Y'a quoi là-bas? Oh! Je sais pas pourquoi ils veulent absolument que je gèle. Y'a quoi là-bas? J'espérais que... Oh attendez, bah si, j'ai juste à faire ça. Ah c'est trop cool. J'y suis arrivé. Merci mon équipement. Est-ce que vous pouvez me filer les flèches que j'ai eues en plus? Ça coûte une petite blinde, alors si vous pouviez me les laisser, ça serait sympathique. Par contre, vous me laissez mouiller, quoi. Je pensais pas que rien que le fait d'aller au-dessus du... de ce petit rocher serait aussi long. Ah moi je prends à la place. J'ai plein de trucs de merde, donc je peux... T'inquiète, je vais trouver. Ça, il faut que je la mette dans ma... dans ma maison. Ah, ça n'est pas dans en plus? Non, c'est juste une... c'est une... Voilà! Oh, attendez, je vais fermer mon volet. Aïe! Il est quelle heure? Il est 21h et il commence à ça. Ah, plutôt faire nuit, donc ça va. On avance vers les beaux jours, là, c'est bien, là. Il nous reste un petit moment en plus, c'est ça qui est cool. Ça va encore pas mal augmenter. Ok. J'essaie de faire attention à la température. On va voir si tout va bien. Allez, oh bah du coup, on monte, hein. C'est bon, hein. J'ai vu un jump là-bas, on va y aller. Par contre, ouais, il y a toute une entrée. On dirait qu'il y a vraiment une ville. C'est ça qui est... Est-ce que c'est une ville? Attendez, il y a de quoi monter. Alors, j'ai plusieurs moyens de monter. On dirait qu'il y a comme... de quoi utiliser... je sais pas, Ascension, je crois que ça s'appelle. Je peux vraiment pas le choper. Il est là, mais je peux pas le choper. Attends, je vais le mettre ici. J'ai peur. Ah, vous êtes qui, vous, là-bas? J'oublie, c'est qui, lui? Ah, Ordrak. Faudrait peut-être que je lui récupère une griffe. Dans le doute. Je sais pas comment ça s'appelle, Ascension, je crois que ça s'appelle. Je peux? Oui, je peux. Ah non, mais ça va suffire, si. Parce qu'en fait, là, c'est très bien. Ah non, c'est pour grimper comme ça. Ok. D'aller directement là-haut. C'est déjà assez long. Et l'épée que j'ai, faut absolument que je... Faut pas... Faut que j'arrête de l'utiliser, attendez. Ouais, je vais prendre ça. Putain. Je vais aller directement à droite. Mais vas-y, je suis là, c'est bon. Voilà.
Allez. Bonjour. Ah oui. Merci. Bon, je viens de capter quelque chose. Attendez, peut-être que je me gourre. Ça, c'est un truc normal. Ah non, je pensais que... D'accord, je pensais que ça avait transformé un truc électrique là-bas. Alors... Enfin, je croyais qu'un cristaux normal, lorsque je l'ai frappé, ça l'avait transformé en cristaux précieux. Et du coup... Et vu que c'était un truc électrique, ça m'avait donné un topaz. Mais pas du tout, je pense pas. Parce que je suis foilier. Oh, sa mère! Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Qu'est-ce que c'est? Ordrax, si tu veux descendre, c'est avec grand plaisir. Attends. Ah, c'est quoi qui est écrit? Oh putain! C'est bon, j'ai compris. Ok. Alors. Je m'attendais pas à ça, mais pourquoi pas? Bon, ça c'est ok, il y a tout, de quoi. Bon bah il n'y a pas grand chose de plus, écoutez. C'est déjà bien. Ordrak, tu descends ou c'est une illusion? Vers quoi je regarde là? Dans le ciel, c'est quoi que je vois? Ah c'est ça. Ah, je suis jamais allé là. Il va jamais de la vie, il va descendre aussi bas, on est d'accord. Ouais, il va être... plus ou moins autour du volcan et ensuite il va y aller. Bref, au niveau des quêtes. On avait dit qu'on ferait un petit tour. Tac, votre encyclopédie personnelle. Là déjà, à ce niveau-là. Thoras vous a suggéré de lui acheter les photographies qui manquent à votre collection. Ok, bah, ça en verra plutôt à la fin. Les relais sont toujours des bonnes sources d'informations. Rendez-vous sur place pour mener l'enquête. Ok. La brigade anti-monstre dirigée, nanana. On peut aller faire ça? Une stèle découverte par Sarmet du groupe d'archéologie Sono. Porte un mystérieux message. Explorer les ruines obscurcies et trouver le lieu dont on parle. Ok. Ah, les ruines obscurcies, d'accord. Ok. On peut aller checker ça rapidement. En fait, moi j'ai peur que si j'avance dans la quête principale, ça va me... Ça va... En fait, je pense que je suis proche de la fin. Ah putain, il faut que j'aille voir pour améliorer nos vêtements. Oh putain, faut que j'aille faire ça. C'est ça les ruines obscurcies? Ouais, je pense que c'est ça les ruines dans lesquelles on est dans le noir complet. Dans Breath of the Wild. Alors, je vais lire tout ça. Exécute la technique secrète du sage du vent devant le hibou qui surveille main dragon. Exécute la technique secrète du sage du feu dans l'espace entre les deux dragons à la tête vers la queue. Ok, alors attends. Oui, oui, oui. Ok, ah oui, j'en avais lu qu'une seule. Je suis quand même vraiment con. Celle-ci, sage de l'eau en présence des six dragons. Ok. Technique sage de la foudre à la pointe du long du corps du dragon qui porte le mont funeste. Si ce dragon n'est pas ce qui manque, celui-ci doit être bien plus long que la normale. Par contre, cette histoire de mont funeste, je ne vois pas du tout ce que ça veut dire. Le mont funeste, est-ce que ce n'est pas le mont... la montagne de la mort? Il y a un mont funeste? Non. Alors, entre les deux dragons,
Technufeu entre les deux dragons. Feu dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Entre les deux dragons. Tu veux que je roule un dragon? C'est ça que tu veux? J'ai pas compris. Alors là, il y a un dragon. Attends, là, c'est une queue immense, ça. J'ai tendance à penser que ça, c'est une queue immense. Et elle pointe vers le... Oh, attendez. Attendez. Elle est où? Elle est là. Ah non, c'est sa tête, ça. Ouais, c'est sa tête. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais me battre avec ça. Nickel. Est-ce que... Alors... Comment ça s'appelle exactement? Une lame du colonel. Ah mais c'est déjà un truc qui a été doublé. D'accord, ok. On va un peu renforcer tout ça là. Puissance d'attaque, ouais, voilà. Par exemple, si je mets... attends, je peux la mettre plutôt sur quoi? La corne affiliée. Ah, je peux la mettre sur celle à 17, c'est vraiment pas mal. Prendre. Hop, une épée à 72. Tranquille. Tout simplement, en fait. Un trident Gerudo. Maximum potentiel du matériau qu'on y attache, faute de gagner beaucoup de durabilité. Ok, c'est pas mal. Je vais... Oh mais il a pas beaucoup de durabilité, ça qui est relou. C'est pas ça que je veux, c'est ça. J'ai pas un truc qui a beaucoup de durabilité, là. Ah, j'ai ça. Ah oh, mais ça, c'est une arme à la de merde, ça. Merde, non, pas du tout. Pas du tout, vraiment. Hop. Équiper. Et on va le mettre avec... Allez, une corde de salinox. Voilà. Lance briseuse salinox. Trop bien. Ça, pas du tout, encore une fois. On va s'équiper de ça. Et on va dropper ça. Voilà, c'est cool, c'est cool. J'ai envie de lui attacher ça, moi, celle-ci. Hop là, OMG, une arme à 102. Allez, une lame ancestrale, sur quoi je pourrais mettre ça? Allez, sur ça. Ah non, ça plutôt vaudrait mieux mettre ça sur un truc sono. Allez, hop. Non, à 47. Ah ouais, putain, les écarts sont quand même fat. Pourquoi celle-ci, j'ai pu monter à 110? Ah ouais, parce que ça dédouble tout. Ah ouais, c'est cool. Et ça, c'est déjà une arme doublée, ça, non? Ouais, c'est ça. C'est déjà une arme doublée, ça? Défaire l'amalgame, hein, parce que voilà. Oh, et en plus, c'est un truc. C'est un truc qui gagne en. Putain, c'est con, j'aurais dû lui mettre un truc. Oh, putain, on a 41. Littéralement une faux, conseiller. Et ben voilà, là, on est équipé, là. Alors, j'ai besoin de trouver deux dragons. J'ai besoin de trouver plein de choses. Là-bas, c'est quoi ça? Il y a forcément quelque chose là-bas. Pourquoi il y a un truc un peu plus surélevé là? Ah non, c'était juste pour une, un truc gros goût.
Ah ça j'ai bien envie de trouver ça. Ça j'ai bien envie d'y arriver, je suis sûr il y a moyen de... de faire des trucs cool. Il y en a du mob là, putain la vache. Là il y a un hibou. L'espace entre les deux dragons. Attends, c'est quoi exactement qui dit? Hop. Exécute la technique secrète du sage du feu dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Bon, en fait, vous voyez là-bas, il y a plein de... plein de têtes de dragon là. Il y a pas mal de têtes de dragon. Il se passe entre les deux dragons. Pas ici. Déjà, il faut trouver une tête de dragon. Une seule serait déjà très bien. Ça, c'est un loup, mais ça, je crois qu'on s'en est occupé déjà. C'était il y a longtemps, mais je crois que je m'en rappelle. Qui est quand même notable dans ma manière d'être. C'est pas comme si je me rappelais des choses souvent. Bonjour, oui, on va peut-être se taper. Hein. Récupérer. Ah non, bah non, bref, je le prends parce que c'est une petite arme, nickel. Ok. Wholesome. Wholesome qu'il est tout tanké. Parce que ça m'a niqué mon arme pour rien. Tour, ouais, c'est la tour, là il n'y a rien. Putain, qu'est-ce que c'est compliqué. Il y a un dragon. Attends, dans l'espace entre les deux... Ah non, entre les deux têtes de dragon, c'est ça qu'il y a écrit. Hein. Ah non, entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Attends. Ah, attendez, dans l'espace entre les deux dragons, de la tête vers la queue. Bah aussi il y a un dragon. Donc moi ce que j'aimerais... Attends, je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il faut que je prenne... Non, ça vous a pas suffi ça? Parce que là vous voyez, entre les deux dragons, de la tête vers la queue, ils vont tous les deux dans la même... Ah mais non, mais c'est deux têtes. Je suis trop bête. Ouais, là-bas aussi c'est une tête. C'est deux têtes. Fuck. Ah. On va essayer de voir vers le haut ça. Qu'est-ce que ça donne vers le haut? J'aurais beaucoup aller vers là-bas. Je crois que je vais pas me laisser faire. Là j'ai carrément les moyens d'y aller. On était très très haut, la vache. Ok. Et là-bas, il y a trois trucs. Est-ce qu'il y a un dragon ou une queue particulièrement longue?
Oh, là-bas, 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 là. Vous voyez, là-bas, il y a comme deux dragons. On va voir si c'est bien deux dragons. Vous voyez, là? Qu'est-ce que je veux dire? Oh, là-bas, il y a plein de trop de choses, là. L'espace entre les deux dragons de la tête vers la queue. On va voir. Yes! J'y suis arrivé. Super. Je n'ai aucune idée de où c'est. C'est juste derrière moi, tout va bien. Il y a moyen qu'il y ait un hibou à peu près à chaque endroit où... Putain, franchement sérieux. Putain, je m'attendais tellement pas à ce que ce soit que ça. Et ça, il y a moyen qu'il y ait un hibou à peu près devant chaque truc. Là-bas, j'ai vu quelque chose. Un arc-en-ciel! Trop stylé. Là, voilà, c'est ça que j'avais vu. Quels sont les autres? C'est quoi les autres? En présence de 6 dragons, j'étais sûre que ça allait être ça. J'étais certain que ça allait être le sage de l'eau. J'en étais sûre, j'aurais pu le faire sans checker. Je vais te dire. Il est où? Sinon. Il faut quoi que je balance? Non, okay, j'ai peut-être pas compris. Charge, puis déclenche la technique secrète du sage de l'eau en présence des 6 dragons. Ok. Il y en a 6 là, on est bien d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Bon, merci. Tiens, là il va me donner 3 saphirs du coup. C'est sûr. Il m'a capté Jichy, ça va oui. Ah non, des opales. Ah oui, c'est des opales, d'accord. Oui, les saphirs, c'est la glace. Et le dernier... Oh, il y a la pointe du dragon. Exécute la technique secrète du sage de la foudre à la pointe du long corps du dragon qui garde le mont funeste. Qui garde le mont funeste. D'accord. C'est pas la pointe qui est vers le mont funeste. C'est qu'il garde le mont funeste. Techniquement, on est d'accord que... Je pense que le mont funeste, c'est le mont de la mort. Je pense. Ah, putain, on en a du bruit quand même. Je vais aller voir. Je pense que vous voyez. Eh, on le voit d'ici, hein. Il y a un accès et tout. Non, non, c'est sûr que c'est là. Est-ce qu'il y a une plaque bizarre? Attends. Oh, il y a une petite plaque. On va la voir. Non, là, il y a rien. Là, il y a un petit hibou, mais il n'y a pas de plaque, tu sais, qui pourrait suggestionner, comme on dit. C'est ça le vrai mot, hein, faut le savoir. Qui est un trésor. Ah! Ça, par contre, c'est une plaque. Un peu... Regardez. Oh là là! Oh là là, regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Hop, oui, oui! Tu vas aller où d'ailleurs, tiens, juste pour savoir. Oh, c'est vraiment un enfer là, vraiment. Là, là,
Il faut que je lui balance à la gueule. Elle est où? Elle est là. Ah putain, elle va pas jusque là où je vais aller. À la pointe de la queue? C'est ça, hein. À la pointe du long corps du dragon. Il garde le monde de la mort. Ouais, c'est ça. Bon, en fait, j'étais très proche. C'est là la pointe? Ok, c'était là. Voilà! Putain, on a fait 4 missions là! C'est n'importe quoi! Chimère Albert. Je peux pas bouger donc je suppose que l'autre gars va me parler. Oh. C'est juste à côté en plus. Merci. Où est-ce que c'est? C'est juste à côté, c'est vrai, mais... Où exactement? Là? Ah oui, là, là, ok, c'est bon. C'est ici. Il y a un coffre. Oh, c'est un escalier. Bonjour. Putain, il y a une stèle. Il y a un coffre. Allons lire la stèle d'abord. Et oh, assistant, assistant, es-tu là? Assistant, c'est qui? Ah, c'est l'autre gars, j'ai cru que c'était le piaf. Tout ceci était dissimulé sous les ruines, absolument incroyable. C'est toi qui l'as trouvé. Pour que quelqu'un ait pris la peine de cacher dans un endroit pareil, c'est qu'elle doit drôlement important. Ça y est, j'ai le cœur qui s'emballe. Qu'est-ce qu'elle raconte? Au dévouement et à la loyauté, en scellant le roi démon, le roi Rauru a rétabli, la paix sur ses terres. Le roi Rauru, c'est le roi démon. Ouais, tout ça, je sais. Le tout premier roi d'Hyrule. Cette référence au roi démon qui a été scellé, il s'agit du récit de la guerre des sceaux. Oh là là, j'en ai des sueurs froides. Continuons de lire, oui. Il a fait une pause pour faire un commentaire quoi. Au moment d'engager l'ultime bataille, les sages détenteurs des pierres occultes, blablabla, quand d'autres étaient des enfants d'Hyrule, ces guerriers loyaux avaient répondu sans délai à l'appel de leur roi. 4 d'entre eux, j'ai mal lu. Ce monument a été érigé pour exprimer la gratitude éternelle du peuple d'Hyrule envers ces 4 valeureux héros. Oui. Je vois donc ces ruines, vestiges, blablabla. Ce sont des Iliens qui les ont édifiés par la suite et c'est pour ça que les inscriptions des stèles que j'ai trouvées sont en alphabet hyrulien. C'est une découverte capitale. Plein de raffermer une telle révélation. Je vais tester encore, je vais rester encore un peu ici le temps de tirer toutes les informations possibles de cette stèle. Ils vont jamais me croire au camp de recherche de Cocorico quand ils vont voir mon rapport. J'imagine déjà leur tête. Oups, je t'ai même pas donné la récompense. Ah, il y a une récompense. Merci. Ça c'est cool. Ah, eh ben dis donc. Que tu veux aventurer aimer ce genre de relique, non? Ok. Je vais rester encore un peu. Passe me voir. Ok. Cette longue épée, cette grande finesse. Apparition au royaume d'Hyrule depuis la nuit des temps. Salam brille, une mystérieuse opale. Mais il faut que j'aille foutre tout ça. Toi, va te faire foutre, toi. T'es chiant et t'es nul. Je vais la lire, attends. Il faut absolument que j'aille chez moi pour. Poser tout ça. C'est le roi des mondes, le roi Rauru. Ok, bah c'est super. Incroyable. Trop cool. C'était une bonne quête ça. Là je suis content. Enquête de vérité, les relais, oui ça d'accord. Pacification des bras, ça risque d'être un peu long. Un message des temps anciens, prenez une photo. Il vous reste 9 stèles à trouver. Ça c'est long ça putain. Le plan du grand Koga. Ah ouais, ça il faut que j'aille chercher Koga. Ah, j'en peux, j'en ai soupé moi des... Des profondeurs. Ah oui, le grand amateur de chevaux a trouvé un cristal raissant dans la montagne. Sachant que vous conduisez jusqu'à lui, le cheval géant. Je l'ai en plus, non le cheval? Ah non, je l'ai pas encore. Je l'ai trouvé, mais je l'ai pas encore. Il vous a alors parlé d'un grand cercle de sable qui tourne. Ah oui, j'ai oublié de prendre en photo. Ça, j'aurais pu le prendre en photo, putain. Sarnes vous a demandé... Ah oui. Et le brise-montagne.
Il faut un casse-pierre, 3 diamants. Ah oui, ça. Il reste encore une dalle d'ambougri. Les dalles de pierre ont été retrouvées dans le vestige dans un entour. Le touriste Bougri aimerait savoir ce qui est inscrit sur ces dalles. Il ne peut s'y rendre. Il souffre du vertige. Putain, il y en a des quêtes, la vache! Canel peine à faire comprendre à ses élèves que le grand fléau. Il se dit qu'il arriverait sûrement à les convaincre s'il pouvait leur montrer une image détaillée du paravent du grand fléau. On peut admirer ce précieux paravent dans le demeure de Paya, village Cocorico. Ok, ça je peux le faire. En hauteur, il reste encore une dalle dans mon gris, il faudrait connaître le contenu. Ok, allons faire ça. Oh, village de Cocorico. Mais attends, mais oui, la dalle qui manquait, je pensais que c'était celle qui nous empêchait d'accéder. Celle à laquelle il nous empêchait d'accéder. En fait, je suis pas sûr. T'as Cocorico. Ben, en vrai, on pourra tout faire d'un coup, tiens. On va aller faire... On va checker la dernière dalle. Deux photos à prendre. Nickel. Je pense que c'est celle-ci là-bas, la dernière, ouais. Ah, je peux pas activer le... Je pense que c'est là-dedans qu'il en manque une. Mais non, mais je peux pas rentrer dedans du coup. Je crois que c'est ça, non? Putain, Link, ça glisse. Là-haut? À moins que je l'ai juste pas parlé, parce que je crois l'avoir pris en photo la dernière, mais j'ai supprimé tellement de trucs dans mes photos que je dois plus l'avoir. Celle-ci, je l'ai prise en photo? Ouais, celle-ci, je l'ai peut-être prise en photo. Il me le dirait si je l'avais prise. Ok. Plein de pierres. 5 vaches 6 circulaires sont tombées sur ce... À l'intérieur de 4 d'entre eux, on a découvert une dalle de pierre gravée d'inscription sur Nao. Chaque dalle porte un texte différent, celle de cette ruine par exemple, elle mentionne le vent, le feu, l'eau, la foudre et le temps, et puis aussi... Ah oui, la lumière, d'après les inscriptions, blablabla... Enfin bref... Ah putain, je peux pas... Est-ce que je peux pas à tout hasard? Si, mais je suis déjà monté là-haut. C'est ça le truc. Celle-ci, je l'ai déjà prise en photo. On est d'accord. Ouais. Il me le dirait si j'en avais besoin, j'espère. Peut-être là-haut, mais là-haut. Là-haut, j'ai l'impression vraiment que ça a dû être la première où je suis allée, quoi. J'en ai déjà trouvé 3. Attends, là, il y a quoi, là? On va suivre un peu tout ça. Ha 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 ha
pas. C'est peut-être ça l'autre photo. Attendez. Peut-être ça? Non, c'est pas ça. Alors, on va monter, on va aller là-haut. Mais je n'y crois pas. Il est en hauteur comme ça. Ok, je peux pas là. Oh! Mais où il va? Où tu vas, Coco? Ah, il va dans la faille. Ok. On va essayer de rentrer là-dedans, mais je crois pas que. Pour moi, je suis déjà allé là. Là. Non, Link. Je sais pas, c'est, je pense que j'ai un souci avec ma touche. Mais oui, je suis clairement venu ici, bordel. Là-bas, mais là-bas, oui, là-bas j'y suis allé. Est-ce que j'aurais pas supprimé, tu vois, c'est peut-être en fait des photos que je devais montrer à Toro et aussi à lui. Même pas où aller. Ça là-bas, peut-être. Celle-ci là-bas, je sais plus. En plus, j'allais sauter pour utiliser. Eh si, je peux techniquement. C'est le dernier là, en fait. Là. Je vais dire peut-être en bas maintenant. Je sais pas où est le dernier. Hein. Sincèrement, je sais pas où est le dernier. Si c'est pas ça, je sais pas. Je vais aller lui parler parce que je sais pas où aller après. Où est le dernier? Allez, dash, Ikorin. Ouais, bah, je sais pas. Hein. Je sais que je les ai pris toutes celles-ci. Là, cette porte-là, je sais pas si on va la voir d'ici. Ouais. Elle fait très Outer Wilds, je trouve. Il est là. Ah, beau gris. Oh, des dalles. Ah, j'ai tout trouvé. C'est vrai? Ok. J'ai pas lu, mais je suppose que... C'est très long. Si je lisais tout, ce serait... Ok, c'est tout. Putain, ah, nickel. Donc, là, on est en train de faire un travail formidable. Salut. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne en photo? Peut-être... À l'étage? Non mais non, à l'étage c'est la chambre de Paya. Ah si, c'est ça! Le paravent du grand fléau. Nickel! Merde, enfin c'est... Hop. Euh...
Passion déco. Non, c'est pas ça que je veux. Ah oui, 10 grenouilles tempo, ça aussi. À combien j'en suis là? Est-ce que j'ai un suivi des grenouilles tempo? J'en ai 8. A voir si je peux pas en acheter dans... quelque part. Hop. On aurait dit qu'il sortait le truc, comme on dit, il va niquer la peinture. Enfin, le paravent. Il a sorti son truc en mode. Bon. À moi de jouer maintenant. Bon, on va lui montrer ça. Putain, on aura clear tellement de choses, c'est cool. Je suis impressionné de la vitesse à laquelle ça charge la map, par contre. Hein. Je suis vraiment impressionné pour le coup. Ici qu'on a notre maison, non? Enfin, pas loin, non? Non, c'est ici où on avait notre maison, mais au final, c'est la maison de Zelda. Ok, l'école est là-bas. Oh, il y en a tellement. Oh là, il faut absolument que je récupère toutes les grenouilles tempo. Absolument toutes. Hein. Au moins deux, en vrai. J'arrive avec ma giga épée. Avec ma faux. Ah oui, il faudrait qu'on améliore nos vêtements aussi. Il est là? Ah oui, il est là. Ah oui, il faudrait. Faut que j'atteigne le matin, je crois. Ah, je peux pas dormir. Ça fait sens, c'est pas mon lit. J'ai vu un feu là-bas. Il y aurait peut-être une... Après, il y aurait peut-être une auberge dans laquelle je peux dormir. Pour récupérer quelques cœurs en plus. Oh, attends. Attendez. Oh, c'est trop stylé d'avoir ça. C'est fou que dans la coiffe du ciel, il y a aussi les cheveux qui viennent avec. Un peu creepy. Qu'est-ce qu'il me faut? Ah oui, il me faut ça. Et ça. C'est justement elle que j'aurais voulu récupérer. Mais elle se casse. Ah, c'est bon. Oui. Non? Tu as vraiment haut? Oh, ouais, super. Si je pouvais choper ces deux-là, ce serait super. Vite, 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 vite. Oh non, il y avait une barrière qui nous faisait parer. Du coup, j'ai pas pu la récupérer. Oh, sérieux, j'étais juste à côté. Il n'y a pas grand monde d'autre. Oh! Incroyable ça. École, ouais, j'en ai rien à foutre de l'école. Je veux une auberge. C'est une auberge. Ouais. Bonjour, je suis Shake. Bla 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 bla. Tu es fatigué de ton voyage, oui. 20 rubis, allez, allez, moelleux. Jusqu'au matin. Je vais à l'ouverture de l'école. Trop bizarre. Vous me réveillez dès que l'école ouvre. C'est tout simple. Dès que vous voyez que la cloche sonne... Vous venez me chercher. Je dois y aller le plus vite possible. Un seul cœur. Je pensais un peu plus. C'est pas grave. Une autre. Il me faut juste une de plus. Je te demande pas beaucoup. Allez hop! J'en ai 10 là! Let's go!
C'est trop cool ça. Les enfants sont là. C'est super. Horrible mission. Voilà, bonjour. Ah, il manque du monde. Après, c'est vrai. Ah ouais, maintenant pour eux, c'est vraiment. Ah ouais, même le patron. Le patron, le maître, il est là. Le maître de l'école. Je sais pas à quelle heure ça commence. 8h, 9h? Ça risque d'être un peu long, non? J'ai un peu le seum. Attendez, est-ce que l'autre mission que j'ai vue des grenouilles là, elle est là ou pas? Elle est là aussi. Vas-y, je peux aller voir. C'est là-bas. Oui, forcément, elle doit être il ou elle, je sais pas trop. Elle doit être en train de dormir. Non, c'est pas là, c'est à côté. Ah oui, c'est lui. Ah oui, c'est le creep. Voilà, c'est grenouille. Dire que je n'en ai pas encore attrapé une seule. Fais-moi fort, c'est une grenouille. Hop, il sort 10 grenouilles comme ça dans ses mains. Plus la merde. Je vais m'occuper du reste depuis le temps que j'attends l'occasion de m'illustrer devant Mademoiselle Grise. Cette fois, je suis démasqué. Nickel. Il dit rien d'autre? Non. Tu surveilles. Ok. Réaction. Oui, mais ça, tout ça, je l'ai vu, ça. Oui, je connais, je suis au courant de tout. Je pensais que ça durerait un petit peu plus de temps. Est-ce que c'est 7h? Ça m'étonnerait. Moi, l'école, c'était genre 9h, je crois. Que je me rappelle quand j'ai capté que les cours au collège commençaient à 8h, j'ai failli faire une syncope. Les voilà. Courez! Je suis plus rapide que vous. Il faut attendre. Je pense qu'il faut que j'attende. Je peux m'asseoir? Non, je peux pas. Allez! Vous venez? On peut s'il est là comme ça. Allez, on rentre, on vous attend en retard là. Et il va arriver pile à 8h quoi. 8h. 8h05. T'es en retard, Coril. Tu veux être Brum, ça se terre? T'as un quart d'heure en retard, tu m'expliques? Ah oui, ils sont trop petits. Ils sont trop petits pour aller à l'école, c'est ça? T'es un voyageur. Père Larry, c'est le héros qui protège le village. Toi, tu seras l'esprit numéro 3. L'esprit numéro 3, pas vrai? Est-ce qu'on peut pas aller voir au labo au bout de la colline? Ok, bon, bref. Ouais, vous êtes trop petits. Ah, peut-être les cours 8h30. Ouais, ça fait sens. J'ai ce qu'il faut. Bah, j'ai ce qu'il faut. Ah, il faut attendre 9h? C'est à 39h. Si tu veux assister au cours. Si tu veux assister au cours, on va demander à monsieur Canet. Ouais, je veux. Je veux bien, mais... J'ai ce qu'il te faut. Bonjour, et toi? Qu'est-ce que t'aimes bien? Waouh, lui, c'est le... C'est vraiment le bouilli de la bande. Peut-être c'est 9h. Ah! Ah oui, c'est ça, il fallait attendre 9h. Ok. Moi, je sais que c'est des légendes. Si ça s'est passé il y a 10 000 ans ou un truc du genre, c'est pas facile de dire que c'est une légende ou pas. On a des images de ce grand fléau? Oui! Regarde-moi ce polaroïde. Hop.
Dégueulasse la photo. Super impressionnant, bah ouais. On peut voir la suite de l'histoire du grand Cléo. Et bien sûr, un grand merci à toi Link. Dis-nous tout. Est-ce qu'il va nous raconter l'histoire? Je l'ai entendu des milliers de fois et j'étais là, donc ça me saoule. Le fléau s'est maintes fois battu sur notre beau royaume. J'ai vu, il y a 10 000 ans, les Sheikas conçurent des créatures divines. J'ai vu, chacune de ces extraordinaires machines était pilotée par un être exceptionnel. Le royaume a connu une longue période de paix, mais avec le temps, l'histoire fut oubliée. De fait, la terrible menace se manifesta à nouveau. Oui, monsieur, c'était quand cette histoire? Le fléau surgit il y a 100 ans, tout comme ça lorsqu'une ancienne bourbissier lança son retour. Quatre pilotes de talent furent choisis parmi les Piaf, les Gorons, l'aéroporteur de la lame purificatrice. Ils furent pris de court lorsque le fléau exécuta son insidieux stratagème. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien malheureusement, la princesse ne parvint pas à veiller son pouvoir, et contre toute attente, le fléau réussit à prendre le contrôle des créatures divines. Les prodiges y laissèrent la vie. De la lame purificatrice fut gravement blessée, tout semblait irrémédiablement perdu. C'est alors que le dont les héritiers. Ça, c'est l'intégralité du jeu d'avant, j'ai vu. C'était super comme histoire, bravo. Les grands, je veux être le héros de la légende. Bah, c'est super. Très fier de vous tous. Je te remercie pour tes efforts, je ne peux quand même pas te laisser repartir. Ah bon? Oh, des boissons de riz! Oh, chimère! Oh, les petits plats que je vais me faire! Super les jeux d'enseignement, j'avoue. J'avoue. On va essayer de d'améliorer nos vêtements. Où est-ce que... Ah, celle-ci n'est pas ouverte. Si? Ah si. Ah non, elle n'est pas ouverte, en effet. Fontaine de la Grande Fée. Et ça c'est quoi? C'est quoi les autres? De la Grande Fée, ah ouais. Et ça, on dirait qu'elle n'est pas ouverte. Elle veut quoi, elle? Attends, mais je vais aller la voir. Elle veut quoi, elle? Pourquoi elle est pas ouverte? Pourquoi t'es pas ouverte? Link, il arrive, il fout une claque. Pourquoi t'es pas ouverte? Tu m'expliques? Faut que j'aille au nord... Ouest. Ah, de la bonne pluie. Tac, 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 tac. Je suis très RP. Hein. Nord-ouest. Oui, je suis dans un archipel. Je veux aussi surtout ça. Je vais dans le bon sens? Ouais. Ah. Et je la vois d'ici, c'est bon. Okay. Après je peux grimper par là au final. Que je le ferai toi d'ailleurs. Je vais le faire maintenant. Allez hop! C'est l'occasion. Oh, y'a quoi là? OMG! Attendez, non, stop! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, qu'est-ce que je regarde là? Attends, non mais je peux pas. Bon, je vais voir la fée, je reviens, je m'en occupe après. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est magnifique, j'adore ce truc. J'adore cette architecture. Où est-ce que c'est? J'ai perdu le fil. C'est par là, ouais, c'est ça. Par là, c'est ça? C'est là.
Je la vois plus trop, je la voyais tout à l'heure. Je sais plus trop où elle est. Ah, je crois que je la vois, ouais, c'est ça, on la voit, elle est là-bas. Jamais aller la voir aussi. Bah si, si elle s'est affichée, c'est que j'ai dû aller la voir. Voilà. Un camp de monstres. Ah, il y a un relais. Mais je l'ai même pas, le relais sur la map. Mais je l'ai même pas. Quelle horreur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un sorcier là-bas. Je l'ai déjà pris en photo. Qu'est-ce qu'elle veut? Son tambour. Ah, le son du tambour. Voilà, bah, on va aller voir le relais. Putain, c'est pas possible. Je veux dire, à faire des streams comme ça, où pour faire une chose j'en fais 1000, au bout d'un moment il n'y aura plus des choses à faire. C'est de la logique. C'est vrai qu'il va y en avoir des streams. Sa mère! Il m'a fait peur! Allez, va dans l'eau. Il se noie pour de vrai? Pont de l'aîné. Ah, il est le seul à m'avoir entendu. Il mange! Allez hop, va te faire foutre. Allez hop, on va aller là-bas. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Oh, c'est les deux rochers. Ok, ouais. Ah, il y a un sanctuaire là. Suite à d'importants dégâts, le passage est actuellement impraticable, en particulier à cheval. Mais il y a des choses qui tombent ici du ciel. Ah, à cheval, c'est la merde. Ah, bah oui! Hey, comment il peut faire avec sa truc là? Y a un bas de trucs qui sont tombés là. C'est quoi ça là-bas? Le tambour? Sérieux? Je crois. Ouais, il faut le faire tomber, tu vois. Est-ce qu'il y a un truc quand tu te sors de l'autre côté? C'est pas ça que je veux, c'est ça. Oh.
Ça va pas me... Oui, d'accord. J'ai envie d'aller voir là-dedans. Ah, je peux pas. Je pensais qu'il y avait potentiellement... Wouhou! Ok. Aucune idée de comment... Aucune idée. Ah, il faut peut-être un truc lourd, peut-être, non? Non, je sais pas. Je réessaye, hein. Allez. Oh, c'est chiant, il se fait tout le temps niquer. C'est bon. Pourquoi? Je piche pas. Je piche pas du tout. Bon, bah, qu'il aille se faire foutre. Il est déjà 22. Même pas visiter le truc dans le ciel. Oh, oh. Attendez, il y a un souci là. On est bien la région. Comment je vais faire pour le récupérer de... L'écran qui veut s'éteindre. Ouah! Bonjour, Pen. Oh, c'est toi, partenaire, tu as profité. Ah, c'est toi, je t'avais même pas reconnu. Tu as profité du soleil cochin pour t'approcher, je te reconnais bien là. C'est pas le fait que tu m'aies surpris qui m'a fait perdre mon sang-froid. Dame Zelda, elle a été enlevée. Quoi? Du grand Eiga, c'est une bande de vauriens qui vénère une entité. Pour être fin jour de Dame Zelda, et ce sont eux qui ont enlevé la princesse. Ils ont envoyé une lettre de revendication à la rédaction qui dit: nous avons Zelda, nous vous attendons. Blablabla. Madame Bourguette était dans tous ses états. Je me suis dit que le mot jumeau dans leur lettre pouvait avoir un rapport. Nanana. Je suis donc venu mener mon enquête, mais pour l'instant je n'ai trouvé aucun indice. L'enlèvement de Zelda? Bah alors là, que ce soit des personnes qui peuvent se balader dans le temps, ça m'étonnerait. Ils sont où les saltamanques là? Là. La grande fée. Voilà, c'est la grande fée Kotura. Heureusement, la grande fée de la région n'a pas sorti des embourgeons depuis un moment. Tout comme la grande fée du relais de la forêt, elle doit être terrifiée. Je me disais donc que si on entendait jouer à nouveau ces rythmes endiablés, ça leur remonterait le moral, mais l'embour n'est pas là en ce moment. Ouais, et le joueur de tambour des brides abattues. Un jour, il est parti de la troupe et n'est jamais revenu. Une voyageuse à provenance du village de Cocorico, au nord d'ici, a dit qu'elle avait entendu le son d'un tambour. Elle était près du virage, après la chaîne de Bonorume. Eh bien, on fera ça la prochaine fois, du coup. Attends un peu, là, après, non, elle était bien plus allongée que celle de Cookie. C'est le même genre d'empreinte, mais je sais pas si j'aurais dit plus allongé. Dommage qu'elle a pu et tout effacer. Un peu comme ça, l'empreinte qu'on a vue au sud d'Amphiron était bien plus allongée que sur le croquis. Quel croquis?
OMG. Ah oui, c'est genre pour retrouver... Je pense que c'est pour retrouver le gros... Le gros... Le grand... cheval. Bah écoutez, moi je suis chaud de prendre une nuit. Une nuit... Ah oui, bah oui. Tu coûteras un lit de Marlon. Vas-y. Et jusqu'au matin. Comme ça, on fait ça. Et la prochaine fois, du coup, faudra qu'on s'occupe. Oh, de moules de choses. On a trop de trucs à faire sur ce jeu, putain. C'est un truc de ouf. Je suis la divinité Ikin, Marlon. La délicieuse bouillon de légumes. Légumes, cristal de sel, bouteille de lait frais, améliore cheval. What? Un légume, un cristal de sel, une bouteille de lait frais. Je crois qu'on peut améliorer nos chevaux, mais je sais plus comment. Je crois que je peux améliorer mes chevaux, mais comment, je ne sais plus. Oh! Qui l'eût cru? Personne. Bon, on en a... Ouais, 3 cœurs. Et du coup, normalement, j'aurai une récompense. Enfin, la récompense. Let's go. Allez, hop. Il a arrêté. Il raconte ses histoires sur les empreintes germes d'une créature inconnue. Je sais ce que c'est. Obtenir une récompense. Et oh. Un instant, j'arrive. Tu as changé tes points, ouais. Une selle martiale. Oh. Cette selle... Pensez pour les combats, équiper les montures les plus preux chevaliers de l'armée d'Irim. C'est parti de l'ensemble, alors tiens, prends le filet vers avec. Oh, let's go! Putain! Un salle d'apparat et un filet d'apparat. Trop cool! Oh là 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 là. Toi, amène-moi au trésor et puis on bouge. C'est peut-être plus de pommes, c'est possible ça. Est-ce que ça, c'est un. Ah non, c'est une fleur bombe. Si j'en ai. Je vais en prendre 5 parce que je sais pas. C'est vrai que la cuisine, j'ai pas trop utilisé, faudrait. Je suis souvent en rade en plus. Mais ce qu'il me faut, c'est surtout des... Est-ce que vous pensez que ça, ça peut m'amener jusqu'au... Non, je mange. Là, je vais peut-être prendre rapidement, avant de couper, je vais prendre une... Un ascenseur... Peut-être qu'un ascenseur ça peut m'amener là-haut. Ouais. 4 suffisent, ok. Si peur, sa mère. Oh, pas mal ça. À la place de. Elle est bizarre cette épée. Putain, j'ai un peu le seum. Il y a un petit puits là. Je peux donner un spi avec le puits quand même. Oh, il a l'air d'être immense. Ah non, ça va. Ah si. Il y a un puits dans un puits. Peut-être que je... Non, c'est peut-être pas une bonne idée d'explorer ça. Il y a un puits dans un puits. Dans un puits. Je veux juste voir ce qu'il y a au fond. Pardon.
que c'est tout. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il y a rien. Il y a trop rien de plus. En tout cas, là, je vois rien. Après, c'est déjà pas mal, hein. C'est très bien. Voilà. Et je vais juste voir si un rocher qui est tombé là, ça peut m'amener. Ça peut m'amener là où je veux que ça m'amène. Oh non. J'ai pris en photo, vous ? Et voilà. Il est cru. C'était là-bas. Juste voir. Même si je crois pas, ça a l'air d'être plutôt vers là-bas. Et puis dans tous les cas, il monte jamais vraiment tout en haut. Il monte jamais vraiment de là où ils viennent en fait. Il y a lui aussi là-bas. Que ça m'amène. Lui là-bas. Je crois que ça c'en est un aussi. C'est ça. Vite. On part de plus haut, il est tombé plus récemment, il y a moyen qu'il m'amène là où je veux qu'il m'amène. C'est pas ça l'île que je veux en fait. On va aller là-bas. Là-bas. C'est pas là que je veux aller en fait, je crois. Oh la vache. Incroyable un arbre. Oui. Ah ouais. Je crois que c'est techniquement beaucoup plus. Ouais, c'est ça, c'est cette île là. Elle est là. Ah ouais, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, la vache. Qu'est-ce qu'elle est haute. Le seul moyen, je crois, qu'il faudrait que j'aille, c'est là-bas. Il faudrait que j'aille depuis l'annel que j'aille ici, quoi. C'est faisable, hein. Depuis l'annel, bam, j'arrive ici. Et depuis là, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas forcément plus haut. Oh putain. Et en deux spi. En deux spi, hein, encore une fois. Depuis là, c'est pas possible. Je vous jure, c'est le dernier truc que je check. Je vous jure. C'est le dernier. Promis, juré, craché. Ah ouais, non, c'est tellement haut, sa mère. Ah ouais, c'est trop haut, sa mère. Qu'est-ce que c'est haut? Vache.
plus il y a tout. Oh, c'est magnifique comme endroit, j'adore. Bon. On va descendre. Qu'est-ce que j'ai juste en dessous de moi là? Qu'est-ce que je vois là? Tour là. On va aller au niveau du... Ouais mais c'était loin non le relais. Le reste, ouais, il était là-bas. Ouais, il était là-bas. Des choses à faire là-bas. Qu'est-ce qui fait pas beau? On va arriver là-bas comme ça. La prochaine fois, je sais quoi faire. La prochaine fois, on... Juste à voilà, finaliser. Il y a toute cette zone là qui est magnifique. Voilà. Mais j'ai pas bon en hauteur, mais là ça va. Bref, on sauvegarde. Sauvegarde parce que à chaque fois il y a eu des fois où j'ai pas sauvegardé et je me suis fait des frayeurs. Ça allait mais c'était terrifiant. Bref, des bisous YouTube, porte-toi bien et à la prochaine pour un autre projet. Bisous, ciao.